Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la boutique d'Epona. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre nouvelle vidéo quotidienne et on fait un retour sur la catégorie cavalier. Parce que même si tous les cavaliers adorent prendre soin de leurs chevaux, il est aussi important de prendre soin de vous. Donc, je vais vous présenter le Rider Rescue de la marque Red Horse, qui est une crème pour les mains 100% naturelle. Alors oui, la marque Red Horse est notamment très connue pour leurs produits de soins pour les pieds des chevaux. Mais là, aujourd'hui, on va parler de nos mains. Donc ici, il s'agit du pot orange cannelle. On est sur un pot de 100 ml au prix de 16 euros. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de cette crème? C'est parce que généralement, enfin surtout l'hiver, les mains des cavaliers sont souvent mises à rude épreuve. Et donc cette crème est une crème hydratante et apaisante. Elle va régénérer votre peau et vous aider à braver l'hiver. C'est une crème qui n'a pas un fini gras une fois appliquée. Parce que du coup, je l'ai testée et ma mère en est une adepte. Je ne vous le cache pas, je vous parle en toute honnêteté. Comparée à d'autres crèmes que l'on pourrait avoir sur le marché qui ont un parfum très fort, celle-ci, non, pas du tout. Déjà, c'est un parfum qui est obtenu grâce aux extraits naturels qui en font sa composition. Et ça reste un parfum très léger, doux et agréable. Au niveau de sa texture, elle ressemble un peu à de la mousse. Donc ça fait vraiment une crème aérienne légère, facile à appliquer sur vos mains. Il n'en faut pas beaucoup. Le pot est vraiment très économique. En plus, comparé à un tube, vous n'allez pas perdre de produit. Parce que quand on a des crèmes mains en tube, il y a toujours un dépôt qui se fait sur la paroi du tube. Et du coup, sauf si vous coupez le tube, vous ne pouvez pas tout récupérer. Alors que là, le fait d'être sur un pot, vous pouvez donc du coup utiliser réellement tout le produit. Au niveau des ingrédients, je vais vous en citer quelques-uns qui sont très importants, mais je vous invite aussi à aller checker la fiche produit dont le lien se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo. Chose très importante à prendre en compte également dans la composition de cette crème, c'est qu'il n'y a absolument pas d'eau. Le fait qu'elle ne contienne pas d'eau fait que sa composition est brute. Donc l'eau a tendance à diluer les éléments, sauf que là comme il n'y en a pas, votre peau va profiter réellement de tous les éléments qu'offrent des extraits naturels, beurre, huile, qui sont contenus dans cette crème. Au niveau des ingrédients importants à prendre en compte, le gel et le jus de l'aloe vera. C'est la base de cette crème. Le beurre de karité, de l'huile et du beurre de chanvre. Donc là c'est vraiment pour le côté apaisant. De l'huile d'orange et de l'huile de cannelle. Du miel bio brut et de la cire d'abeille. Le miel et la cire d'abeille vont participer à l'aspect réparateur. Parce que si vous avez des petites plaies, des écorchures ou même des crevasses, ça va aider votre peau à se cicatriser sainement. Donc voilà, j'ai terminé la présentation de la crème Rider Rescue de la marque Red Horse. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne pas louper les notifications quand une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Donc en attendant, prenez soin de vous, caresse à vos poilus et moi je vous dis à demain pour le prochain épisode.